Ciao. Il y a un prêteur sur gage à Little Odessa spécialisé dans les artefacts rares, dans le genre de scuto. Commençons par là. Très bonne idée. C'est curieux, mais je me sens plein d'énergie. Ça me fait... m'a fait pareil. Comment ça marche, ce truc? Honnêtement, je peux pas t'expliquer. Genre, je pense et le costume est... Mysterium. Ok. Ça m'aidera peut-être à trouver Kraven et son sérum. Essaie de pas le laisser te poignarder, cette fois. D'accord? Je préfère éviter, en général. Ça va aller. Promis. Bien. Hein? C'est quoi? Changement de Spider-Man Rocky. J'ai pas envie. Le combat n'attend pas. Record. Tenue. Mais du coup, je fais comment avec les tenues? Je peux quand même changer de tenue? Ça a l'air mystérieux. Un mystérium. Attends, non. C'est pas ce que... Non. C'est pas ce que je voulais faire. Attends, mais du coup, j'ai toujours les trucs de Venom, même quand je suis pas en Spider-Man noir. Non, là, mes toiles, elles sont blanches. Y'a pas un petit combat là quelque part? Salut les amis, me revoilà avec un épisode vraiment spécial. Pour vous parler de toute l'actu de Harlem, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui la G. Me raconte pas ta vie, wesh. J'ai une info. Il semblerait que les faux Spider-Bots envoient leur signal à une tierce partie. Tu veux dire que quelqu'un d'autre les suit? C'est ça. J'aimerais bien découvrir un qui. Peu tabac, là. Il faut récupérer tous ceux qu'on trouve. J'ai besoin d'un maximum de données. Bien joué, Ganky. Grâce à toi, on en sait un peu plus là-dessus. Alors. Là. Il est pendu au plafond. Videur cochon, jure. Pas laisser des robots tueurs en liberté. Mais du coup... Non, j'ai pas... Ah si, j'ai... Bizarre. Juste pas les effets. Oh. Si t'es pas au courant, il y a un nouveau drop sur ma marque de vêtements, rienspécial.shop. Allez, check ça, allez regarder, les pulls ils sont très beaux, ils sont très doux. Ah mais c'est pas les mêmes attaques que tout à l'heure, c'est des attaques normales. Vas-y, je vais rester en noir. Après. Aïe. Une machine ne remplace pas un chasseur. Quoique, le chasseur n'aurait pas fait mieux. Et pas un... Je crois qu'il y avait un truc ici, non? Ah, c'est là. Salut. Allez. Tout ce que je veux, c'est le cristal. Après, je m'en vais. Je suis désolé, mais je partirai pas sans ce cristal de sable. Putain. Aïe. Alors, Marco,
Voyons ce qui se passe dans ta tête. Je leur ai pourtant demandé de nous laisser tranquilles, mais ils sont moqués. Ils m'ont capturé avec un filet, et ensuite, ils ont essayé de m'enfermer. On va faire sa vie, hein. Ils n'ont pas grand chose à faire en vrai. Je me transforme en sable. J'ai tellement honte, mais je n'avais pas d'autre choix. Je dois revenir. Un crime! Marco était obligé d'agir. Sinon, il se serait retrouvé comme scorpion alors qu'il est. Chasseur qui monte la garde? Non, je veux pas de ça chez moi. Eh ben, on a des petits soucis de camouflage aujourd'hui. Ah, j'ai une barre en haut. Ah, ok. Ah, je peux faire ça, ça les envoie dans le vide aussi. Wesh. Il s'est fait tirer dessus à ma place. Dans le vide. Y'a un problème avec votre aéronef. Je vais m'en occuper. Merde, j'ai plus de... La prochaine fois, faites vos affaires dans la rue. Comme tous les criminels. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pièce high tech. Ah, c'est des caches. Où est-ce que je dois aller, mais vas-y, hein. Il y a un truc là. Comment il est dans le ciel comme ça? Comment il est loin dans le ciel comme as? Vous savez certainement que Mac Gargan, plus connu sous le nom de Scorpion, a été retrouvé mort, son dard prélevé en guise de. Tu vas dire que c'est moi? On peut penser qu'il s'agit de l'œuvre des chasseurs. Serait-il en train d'accomplir, en éradiquant ces dangers une fois pour toutes, ce que les incompétents Spider-Man... Il a pas tort. Il a pas tort. Je pense vraiment qu'on devrait les laisser s'éliminer entre eux. Notre ville n'a pas besoin de ces faux justiciers masqués qui n'apportent rien de bon. Ah, j'ai un point de compétence, c'est vrai. Nous pourrons revenir à une vie plus simple. Quelle bouffée d'air frais ce serait. Le vrai journalisme me manque tant. Vous savez. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chasseurs. Ils n'arrêtent pas de venir ici. Désolé de ne pas avoir été là. Tranquille. J'aurais besoin de renseignements sur ce vieil objet. Ce truc, il a bien failli me tuer. Ah, je peux rien pour vous. J'ai déjà vu ce symbole. Allez-vous-en. Attendez, je peux vous protéger des chasseurs. C'est pas eux qui me font peur. Je pensais avoir laissé ça à Volgograd. Les feux ont été allumés. On est dans sa jungle maintenant. Kraven? Oh my god. Oui. Kravinov. Kravinov. Les feux ont été allumés. En tout cas, j'ai reçu une symbolique. C'est pas mon préféré. Je pense que je vais... Attends. Putain, on ne peut pas changer de tenue. Mais wesh, comment ça? Gadget. Il me faut des jetons du héros, tout ça, là. Ça, pour débloquer, il me faut quoi? Ouais, jetons du héros. Il faut que je fasse... Frappe symbiotique. Elle a un triangle. Une frappe qui regroupe tous les ennemis. C'est pris. Je vais mettre que des trucs de symbiote, hein. Je... Ouais, je vais mettre que des trucs de symbiote, ouais. MJ me dit que t'as failli mourir.
Tu vas bien ? Hey Miles, je me suis jamais senti aussi bien. J'aurais dû être... Attends, pour de vrai ? Je t'assure, je te rappelle, j'ai des feux de camp à éteindre. D'accord. Salut. C'est quoi cette histoire d'allumer des feux ? Tiens. Aïe. Comment je... ça fait quoi avec ça? Arrête! Là, si je clique L2 et L3 R3, j'ai un buff. La Vodka de Volgograd. Je crois qu'ils font un genre de banquet. Je me demande ce qu'ils font. C'est un peu vexant que Kraven n'ait pas pris la peine de m'inviter. Mais bon, je m'arrête pas à ça. Cette fête est encore plus grandiose que ce qu'on avait préparé pour le lézard. Est-ce que tu crois que... Mort. Je l'ai suivi dans sa traque jusqu'au bout du monde. Mort. T'avais un permis de la ville pour faire ce feu ? Hop. Tiens, Lucien. Aïe! Abuse des feux quand même. Elle est dure cette porte. D'autres produits de luxe depuis Volgograd pour cet événement. Ces cargaisons doivent arriver près d'ici. Y a pas d'aérodrome ici. Mais peut-être sur les docks. Il y aura peut-être des indices qui mènent à Kraven. Me fais pas répéter. Je vous l'ai dit, tout est là. Où est le reste de notre cargaison? En aide. Il a besoin de mon aide. Il a besoin de mon aide. Mort. Mort. Monsieur, tout va bien? Mort. Vas-y, je vais tester le truc. Waouh! Tenez! Waouh! Je peux livrer la cargaison à votre chef! Waouh! Dites-moi seulement où je peux le trouver! Eh ben! Lui et moi, on a des affaires à régler! C'est ça. Il kiffe. Ouh. J'aime pas mon L1. C'est là, là. Ça, j'aime pas trop. Ça. Allez. Vous voulez vraiment pas me le dire? Ok. Là-haut. Ça arrête. Je devrais aller voir le docker pour pas rater le pauvre.
Doucement, doucement. Vous êtes dans un sale état. Je vais vous aider. Hôpital, pitié. Oui, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. C'est bon, ma gueule. Tout va bien se passer. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Qu'est-ce qu'ils voulaient? De la marchandise est perdue en route. Ils ont cru que je l'avais prise. Il y a des gens qui ont déjà fini le jeu? Vous êtes à l'abri maintenant. Bah, je devine, hein. Il y a des gens qui ont fait comme j'ai fait avec Mario. 718 Kent. Ils ont joué qu'à ça. Je me demande comment va Harry maintenant qu'il a plus le costume. Bon, je peux vraiment pas changer de costume. Moi, bon, c'est pas grave. J'allais faire la mission des flammes là. Hé, mon pote, comment tu te sens? Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Kraven ou Kravinov organise une petite fête au 718 Kent. Je pensais y faire un tour. Ça ressemble à une sorte d'assaut. Minute! J'y suis presque! T'as? Ah non, les déplacements, j'aime trop les déplacements. Je me sens vraiment comme Spider-Man. Ce soir. Je me sens. Pourvu que notre VIP soit là. Ils sont plus nerveux que d'habitude. Te fais pas remarquer. Comment tu concentrer? Par la cuisine. Sape-toi mieux alors. Le Peter Parker classique, ça passera pas. C'est pas de veine, j'ai laissé mon costard au pressing. Hein? Ah bon? Wow. Je suis un espion. Un ben. Espion. Hé, hey, tu m'avais pas dit que ton costume pouvait se changer en costard? Ah, ça me l'avait jamais fait, moi. Hé, hey, toi, viens par ici. C'est pour le garde du corps de Monsieur Kravinov. Son garde du corps? Il s'appelle Dima. Dépêche. Ah, tu viens de prendre ton service. Ouais. Je te laisse travailler. Il n'y a plus qu'à trouver Dima. C'est parti! Comment c'est possible de manger aussi vite? Faut pas les faire attendre, tu verras! Il a pas l'air fou ce plat. Cette viande, elle a l'air un peu plate, un peu sèche. Les desserts ont pas l'air top. Très chic. Je me fonds assez bien dans le décor. Et je me sens en pleine forme. J'étais dans ça la capitale. Et de me menacer de me faire la peau. Ce n'est arrivé qu'une seule fois. Ça, c'est la chasse. Quel déshonneur. Kraven avait tellement honte qu'il l'a banni. Je dois passer où? Hein? Afrique du Sud. Kraven traquait une cible cachée sur le continent. On l'a aidé dans sa chasse. Et maintenant, on se retrouve tous ici. Tous rassemblés ici. Ouais, wesh. De répétition, t'auras pas mieux, c'est exactement ce que tu cherchais. Mais je dois aller où? Ah, je dois passer là. Oh God, my God. Oh la salope. Et son visage. Continue ou je te brise les os. Bah, je comptais pas m'arrêter. Ça peut pas marcher, une fléchette d'il y a 3 siècles. T'y connais rien du tout, arrête. Bah, t'as qu'à me montrer. Je vais te montrer avec lui. Oui. Oh. Tiens-le. Ouais, laisse-le se tortiller un peu. C'est un vieux poison, et tu sais même pas comment on sert de ce truc. Le véritable chasseur s'adapte. Oh, oh. Dors bien, l'ami. Ces chasseurs étaient farges. Bon dodo. C'est fou que le même pas un petit my bad. Si seulement ma tenue avait sur l'interface noire, je bosserais avec Harry, je serais un héros et je prendrais des vacances. Tout ça à la fois.
Ça doit être le maître d'hôtel près du podium. Pas Kraven, il a besoin d'un garde du corps. Est-ce que l'un des portes-boucliers est arrivé ? Oui, il est à côté, au coin du feu. Monsieur Kravinov sera-t-il des nôtres ce soir ? Il reste encore certains... Parfait. Kraven n'est pas ici. Porte-bouclier ? Ça me fait penser à un garde du corps. Je vais le dépecer, Amon. C'est pas lui. Il se fait battre par une meuf. Ah la honte. Ça doit être lui. Votre retard, Venom. Alors, techniquement, c'est pas Venom, c'est le symbiote. Venom, c'est un personnage de pouvoir, c'est le symbiote. Voilà. On m'a dit d'apporter ceci au garde du corps personnel de Monsieur Kravinov. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est moi? Parce que vous êtes. À l'aise, hein. Dima est affamé. Je te conseille de partir. C'est drôle. Justement, c'est ce que j'allais faire. Là-haut. C'est cette pièce-là qui regardait. Je dois trouver l'ascenseur. Si c'est ça le porte-bouclier, quelle taille doit faire Dima? T'es une meuf. J'ai trop peur. Je refuse de continuer à servir ce type. Tu lui apportes son plat et tu t'en vas. C'est pas si compliqué. On verra si c'est toujours aussi facile. Quand... Chaud devant. Oh, pardon. T'excuses pas, dégage. Chaud devant. C'est un désastre. Si tout n'est pas nickel, on va se faire tuer. Chaud devant. Non, non, non. Attends. Oh là là, le pire service. Mais ça va pas de rester planté devant la porte? Je t'ai dit d'attendre. Sûrement pas. Bah, tu m'excuses, mais y'en a qui bossent. Allez, l'affaire, taisez-vous. On ramasse et on se remet au boulot, ok? Et tout. Mais j'ai même plus de plat, là. Je vais juste... Genre, je dis ouais... Si je trouve Dima, on trouve Kraven et son espèce de sérum de lézard. Voici là. Ouais, trois frappes. Eh ben. Dis par hasard, tu serais pas Dima? M'oblige pas à te mettre une droite et à te coucher bien. Le menu secret. J'en connais un qui a l'écrou. Un tigre. D'accord. Un tigre personnel. Ok. On va trouver autre chose que du paquet d'araignées pour Dima. Ce steak doit bien être quelque part. Le voilà. Il y a bien quelque chose qui me conduira à Kraven dans ce bureau. D'abord, je dois virer le tablier. Ce chasseur est juste là. C'est parti, c'est le moment. Un repas digne d'un tigre russe garde du corps. Mais si je lui mets une droite, le tigre, j'ai mis de la viande dans ma poche. Je crois que je vais devoir modifier légèrement. Je suis Luffy. Mais pas c'est le chasseur qui dort. Ils sont nombreux autour de ce chasseur endormi. Vous avez entendu? Fais un gros dodo, Dima. Et toi, Peter, fais pas bruit. C'est le pouvoir de Gojo d'Hunter Hunter. Si ça marche pas, je vois qu'un seul autre plat au menu. Tiens, reviens dans 30 minutes, toi. Messages qui veulent rien dire, en plus. Non, 30 minutes. Allez.
ramène un petit casse-croûte. Et concrètement, je lui mets une droite de Venom, il fait quoi le tigre? Pourquoi j'ai toujours pas fait ça là? Recette spéciale du chef Spidey. Moi. J'imagine que Kraven est trop cool pour sa fête. Je devrais fouiller au cas où il aurait rangé le sérum du lézard quelque part. Bah là, il l'a rangé là. Qui eût cru que la chasse était aussi existentielle? Il a des lectures plus sérieuses que j'aurais imaginé. Rien de mieux qu'un peu de philosophie entre deux chasses. Aucune trace du sérum du lézard ici. C'est quoi ça? C'est du sang? C'est quoi toutes ces potions? Je me demande si c'est ça qui le rend aussi costaud. Il se dope? Il n'est pas nachi? Je l'ai loupé de peu. Est-ce que Kraven priait? Ça c'est quoi? C'est son arbre généalogique? Kravinov Anastasia, Sacha, Sergei. Non, il est effacé. Hein? Bah, j'ai fouillé tout ce qu'il y avait à fouiller là, non? Pas de sérum. Ces médicaments sont utilisés pour les chimiothérapies à des stades avancés. Ils sont à Kraven aussi? Il y a le cancer et il met des droites comme as. Je peux pas lire. J'ai la flemme de lire. La chapelle à prêter? Sainte Sophia n'est qu'à quelques blocs. Kraven y est sûrement avec le sérum. En route! Tu peux le caresser un peu? Comme ça, Kraven a un tigre de compagnie. Logique. Il est mignon. Nuage? Comme toi, non? Oh. Dima. Salut. C'est... parce que tu crois, chérie? Wow, doucement! Gardez-le en vie! Gardez-le en vie en mode c'est pas moi qui vais tous vous tuer. Fais voir de quoi t'es capable. Wow! Harry m'avait pas dit qu'on ressentait ça! Tiens! Boost de manière certaine de la puissance. Ah ok. Putain, je mets des vraies droites quand j'ai ça activé. Je pourrais m'y habituer. Wesh! Wesh! Désolé, je viens mettre fin aux réjouissances. Je suis mort. Je suis mort. Ouh, j'ai esquivé au dernier moment. Klebs, il est venu ce kamikaze sur moi là. Oh quel costume. De Klebs, il est venu ce kamikaze sur moi là.
Harry m'avait pas dit qu'on ressentait ça. Tellement fort! Mais je suis fort! Ce truc, c'est exactement comment j'aime me battre! Une armée à moi tout seul! Tiens, prends-toi! Ah, merde! Ouais, j'arrête! Je pourrais m'y habituer. Arrêtez les doutes là-bas là, c'est vous tour après les gars. Regardez, j'arrive. Je cours vers vous carrément. Regardez juste. Ah, ils sont descendus. Viens par là. Toi, viens ici. Aïe. Toi, va là-bas. Toi, t'es con, quoi. L'autre là-haut, toi, je vais t'éteindre. Allez, c'est bon. Toi, viens ici. C'est bon ? Aïe ! Tiens. Merde. Pourquoi j'aurais pas le barré ? Voilà. Dans le mur, s'il vous plaît. Ça a rien fait. C'est bon. Il en reste. Il y a encore la musique. Waouh. Tiens, reprends-le. Je dois penser à la chapelle. Bon, bah j'ai kiffé, moi. Eh ben... J'arrête mes conneries, désolé. Ça me ressemble pas, ça. J'aime bien cette nouvelle DA, moi. Mettez de la glace. J'aime beaucoup cette nouvelle DA, moi. Hey, Pete, ça donne quoi? Aucune trace de Kraven. Mais je crois savoir où il est. Alors, ce costume? Trop bizarre. C'est comme s'il me connaissait. Ne tracasse pas, va! Je suis trop rapide, j'ai pas le temps d'entendre leur discussion. Si. Un cimetière, OMG ? Ok, j'ai mes toiles. Oh, c'est toi ! J'avais bien senti qu'il se passait quelque chose entre nous. Vas-y, viens. J'adorerais apprendre à te connaître, mais j'ai des affaires urgentes à régler. Le problème, c'est que votre chef est en train de préparer un mauvais coup. Cette lance, c'est comme une micro-UM. C'est ma ville ici, pas sa jungle. Vas-y. Frappe. Frappe. Il a tué Scorpion. Libérez le lézard.
Reste à terre, l'araignée. Et en plus, il m'a mis un coup de couteau. J'ai deux mots à lui dire. En particulier sur ce dernier point. Tiens. Non, ça lui a rien fait. Faut pas te laisser retomber, ma gueule. Aïe. Il y en a d'autres qui arrivent. Y'a qui d'autre? Ah. Eh, tu m'as énervé. Eh, c'est bon. C'est bon. Viens. Viens. Je crois que j'en ai pas fini. Voilà. C'est bon. Ils sont où? Salut. Viens là. Cette lame te sert à quoi si tu t'en sers pas? Quoi sert ton milice si tu te prends perpète? Toi t'es mort. Aïe. Tiens, toi t'es mort. Aïe, arrêtez, wesh. Moi aussi je suis mort. Dégage de là. Amenez-le à terre. Merde, je vais où? Pas mort. Je peux pas me libérer. Et ouais, je peux pas, hein. Carré. Moi mourir. Terminé, hein. La fiesta. Moi mourir. Je viens me chercher, quand même. C'est toujours pas changé de tenue. Dans une église. Eh, mais ils vont faire un remake de la scène avec Venom. Il va avoir une cloche, ça va m'étendre. Non? Stylé. Oh là là, les problèmes. Il va m'éteindre, il va m'éteindre et il va mettre dans le cimetière qui est juste à droite là. Voyons si tu as la force de finir ce que tu as commencé. Hey, Peter, bats-toi, t'es un ouf. Ah!
Il a capté direct la cloche. Pourquoi tu ne la libères pas? Je veux juste sauver mon ami. Oh, c'est une salope, il fuit les 1v1. Ma chasse ultime. Ils se sont... Eh, les nerds là, les nerds des comic books, ils se sont moqués de Ray Ackerman quand il a dit qu'il allait avoir un remake de Ribozo. On fait, ouais, il sait pas de quoi il parle. Il vient de dire le nom du comics carrément, frère. Harry, en donneur de merde. J'ai le sérum. Même il savent pas de quoi il parle. Je suis en route pour le MF là. Comment ça s'est passé? Super. Ça y est. Tenu. Mais attendez, du coup, ça fait. Chevalier Arachnide. Mais je la connais cette tenue, j'ai déjà vu quelque part. Il y a plusieurs styles. En orange, il est en moutarde. Moon Knight. Ouais, c'est Moon Knight. C'est clairement juste Moon Knight. Le Moon Knight Spider-Man. Ouais, je crois que c'est arrivé une fois. Je sais pas. Vas-y, je vais mettre en 99 noir et blanc. Oups. T'es un peu... Mettre en 99 noir et blanc, voilà. Pareil. Ouais, j'ai débloqué des trucs. Menace violette. Pas tip top. Pas une tenue noire et blanche avec Miles. J'ai un peu de rouge par là. Vas-y, Intense avec Kraven. Il est encore plus fort qu'il en a l'air. J'aurais jamais cru ça. Eh, tout ce qui compte, c'est que tu sois indemne. Et tu as le sérum. T'as fait du super boulot. Je vais préparer le matériel. C'était comment en vrai? Ça a été totalement... Je voulais pas inquiéter. Maintenant, Kraven sait que le costume déraille à proximité de certaines fréquences. C'est quel genre de problème? Pas très agréable, mais rien d'insurmontable. Bon, je suis soulagé que ça aille bien, mais fais attention. Jure, j'ai eu un bot Spider-Woman. Tu me tiens au courant de la situation au labo? Carrément! A plus tard! On dirait qu'il chasse quelque chose. Je ferais mieux de les arrêter. L'araignée est au-dessus de nous! Brigade animalière! Vous enfreignez plusieurs lois urbaines! Aïe! Casse les couilles ce chien UM là. Wesh, wesh. Depuis quand ils peuvent me combo comme ça? Viens là toi. Niveau supérieur. Encore des nouvelles tenues. Le man noir. Stylé. Non mais c'est celui du film.
Il y a le même shading et tout que dans le film. Vous avez débloqué animation, dessin animé, effets spéciaux, comics désormais. Réglage graphisme. Hein ? Effets spéciaux comics. Animation dessin animé, c'est quoi? Je suis en saccadé comme dans le. Jure. Hein? C'est quoi? Ça a l'air mystérieux. En vrai, je bug un peu, c'est bizarre. Mais c'est stylé. Quand j'ai envie de tester en combat, ça donne quoi l'animation voilà, comme ça. C'est quoi animation comics? Ah, jure! Excusez-moi, je voudrais juste vous empêcher de faire une grosse bêtise. Kapow! Eh ben... Ne gardez pas une mauvaise image de New York. C'est une super ville quand on respecte la loi. C'est où le truc? Hein? Non, il a bougé ou je rêve? Ah non. God save the bot. Désolé. Eh mais j'en ai plein. J'ai quoi? Vous voyez pas, il y a ma cam devant, merde. 99, Rodeur. Bot. JJ, Jonah. UK, Spider-Woman, Négative, Spider-Ham. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai 2 points de compétence. J'ai augmenté mes trucs Venom comme un bonhomme, frère. C'est dit symbiotique. C'est quoi ça? Rallonge la distance parcourue. Et après, je peux les projeter en l'air. Illimité! Surcharge. Améliore le rechargement de la surcharge. C'est quoi la surcharge? C'est quand je fais. C'est ça? Je l'ai plus souvent. Mais après, là, il y a écrit je peux. Saisir en illimité, vous voyez pas le truc. Mais c'est ça là, la saisie symbiotique. Et peu importe combien il y a d'ennemis, c'est illimité, wesh. Dinguerie, vas-y, j'ai envie d'être en mode bonhomme plus souvent. Miles, désolé, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, Miles. Vite, hein. Les effets de lumière sur le costume, ils sont trop stylés. T'as le sérum? J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Ok, j'ai mélangé le sérum avec des atomes encore. Sanguin de Connors. Abuse. Si t'arrives à détruire les atomes qui bloquent les récepteurs du lézard, on tient notre petit os. Bingo, ma poule. Aux œufs d'or, haha. Ouais, une poule surdouée. Et qu'est-ce que tu penses du costume? Il est bien. Il est super, mais il faut s'y habituer. Ouais. Il faudra que j'essaie de le pousser à fond quand ça sera terminé. Ça devrait pas être long. Quoi?
Quoi? Mais pourquoi ça le fait péter l'autre là-bas là? J'ai pas compris. Ouais bon c'est pas grave. Voilà. Oura. Oura. Attends. Les grosses atomes. T'as pas l'impression que la structure est instable? La structure elle me paraît plutôt instable. C'est pas comme si on avait un accélérateur de particules. C'est comme se couper les cheveux avec une tronçonneuse. Bonne pêche à la dynamite. Je sais qu'il a besoin de réparation, mais peut-être qu'il marche quand même. Ok. Pas de trou noir, pas de trou noir, pas de trou noir. Comment ça, pas de trou noir? Le changement de pression a fait dévier une section centrale. C'est pas réparable sans aller à l'intérieur. Wow. Wow, 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 wow. Tu fais quoi? Le costume va me protéger, pas vrai? Peter, c'est pas une bonne idée. Détends-toi et sois un gentil petit proton. Hein? Reste positif. J'ai compris la blague. Alors, ah mais du coup je garde l'animation saccadée. C'est de la folie. Il faut que tu testes ça quand tu récupéreras le costume. Oh ouais, c'est tout en haut de ma liste. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai réaligné? S'il n'y a pas d'autres soucis liés à la pression, rien. Tu pourras sortir. Harry ! La machine s'allume, mais le rayon est instable. Stabilise-le avec les aimants. Comment ? Je sais pas. Trouve le bouton magique. Les accélérateurs de particules n'ont pas de bouton magique. Je vais me tuer, Harry. Là, c'est bon ? Presque. Il y a un autre groupe d'aimants plus loin. Si tu stabilises pas le rayon, il va détruire le sérum. Il y a aussi... Carte de bibliothèque vont pas aimer. Touche pas le rayon, touche pas le rayon. Oh, suivant. C'est bien gros, le rayon, là, quand même. Difficilement évitable. On est tiré d'affaire. Sors de là. C'est quoi ça? De l'électricité statique, je dirais. Donc l'accélérateur fonctionne. Ouais. Tout le surdoué. Oh les esquives de fou. Je sais déjà où il arrive. Wesh Melchior. Alors, wesh Kumoch, tu sais si Melchior va là et du coup. Ouais, son père là, il est. Fais la prise, je vais dire de live à 2h du matin. On dirait que ce costume est sensible au bruit. Apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Des décharges statiques. Mais l'accélérateur fonctionne toujours. Le sérum n'a rien. Ça brûle. Oh. Tu prends ce côté, et moi celui-là. Ça marche. Ça fera l'affaire. C'est bon. Bien, bien. Les décharges électriques ont dû faire griller les capteurs anti-incendie. Je vais tenter de les lancer manuellement. L'antidote est toujours en cours? Normalement, ouais. Mais si les flammes endommagent l'accélérateur, on va le perdre. Oh, ouais, j'abuse. C'est trop lent d'envoler le feu. Y'a bien autre chose que je peux utiliser. Tout est éteint en bas. Et maintenant, la même chose en haut. Hein? Facile.
encore un feu éteint. Comment ça va, Harry ? Je contourne tous les verrouillages qui existent au monde. Quelle vie trépidante ! Ça y est, c'est fait. Ça a marché ! Mets-le hors tension ! Je vais chercher l'antidote et trouver le docteur Connors. Les gens, ils ont cru que le gars dans le chat, il faisait une blague alors qu'il a vraiment juste pas capté le costume. On va perdre l'antidote. Waouh. Ça risque de prendre un moment. T'as faim ? Je peux aller chercher une pizza ? Éteins-le et récupère l'antidote ! Je m'occupe d'eux ! Ah ouais, déjà ? Les gars ! Je croyais qu'il y avait un truc entre nous ! Je n'ai pas sa seule proie ! Lee ! Dites-moi où il est ! Arrêtez-le tout de suite. Non, pas lui, arrête de toiler. Arrête ça. Ah. Arrête ça, j'ai dit. Toi aussi. Arrête ça. Arrête ça. On pourrait s'abstenir. Je préfère les bagarres en petit comité. Je croyais que Kraven s'en prenait qu'aux super vilains. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils ont dû me suivre à distance après que j'ai volé le sérum. Désolé, Harry. Pourquoi tu t'excuses ? Je suis pas inquiet, t'as le costume. Écrabouille-les. Cible verrouillée. Restez pas là. On est à quel état, Paris ? Je réoriente le rayon vers le tunnel auxiliaire. Ouais, encore lui ? Je vois que mon prêt étudiant vient d'être prolongé. Joie et allégresse. C'est bien, on avance. Plus que 30 étapes avant que l'antidote soit prêt. Tant mieux ! Parce que je pense pas que ces types vont nous laisser tranquilles. Tu vas t'en sortir. Merde. Vas-y, lance une roquette. Lance. Attention. T'es con quoi. Dans le mur. J'arrive. Arrête tes bêtises, toi. Arrête tes bêtises, toi, s'il te plaît. Arrête. Mais arrête. Ah, tu vas mourir. Arrête. Vas-y. C'est un peu overkill. Et qui abuse vraiment. Je finis et je récupère l'antidote. Tu peux pas rester ici. Je peux pas partir. Je suis le seul agent. Ah, il a sorti des ultrasons. Ah non. Dites à Kraven qu'on l'a. Kraven va bien s'amuser avec toi. Arrête. Chercher. Il s'est passé quoi ? Je sais pas. J'étais tellement. Et le costume ? Rien de cassé ? C'est bon. Je vais à la salle des disjoncteurs. Je peux continuer le processus là-bas. Et toi, ça va ? Ouais. J'ai une forme incroyable. Je suis bien, hein ? Je suis bien. Je suis chaud. Venez vous battre. Ah, Kraven a raison de rester planqué. Aïe.
Tiens, prends-en un. Ne nous lâche pas. Merde, non, je vais me soigner. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, j'ai encore utilisé mon truc à la fin. Ok, je m'attendais pas à tomber sur un ours. Ouais, c'est des équipements qui coûtent cher, alors, ça. Passe aux choses sérieuses. Il faut que je te dise quelque chose. Oh, j'ai fini tout le miel. T'es connu plus incisif sur les blagues. Allez, faut rigoler quoi. Arrête, wesh. Ça devrait pas être trop long de réparer tous ces dégâts. On pourrait même garder ça tel quel, comme une médaille. Ça craint. Ces flèches ont dû abîmer la protection de l'accélérateur. Le rayon attaque le tunnel. Tu peux toujours le couper. Et ça donne quoi, l'antidote? Toujours en fabrication, mais il va falloir qu'on croise les doigts. Aïe. Wesh, deux coups. Trois coups. Dans le mur. Vas-y. C'est bon. C'est bon, tu m'as énervé. Tu m'as énervé. Tu m'as énervé. Mais tonton Osborne, il va arriver, il va encore se dire qu'est-ce qui s'est passé ici. Les gars, arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Les gars, rien qu'arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. T'en fais pas pour ça. Il faut que tu sors de là. Non, il reste quelques étapes. On peut encore achever l'antidote. On y est presque. Bon. Maudit chasseur, vous auriez dû vous enfuir tant que vous en aviez l'occasion. Allez, avec les armes là-haut là. Vous aimez venez casser là. Les trucs. Et moi si je vous cassais la tête. Vous allez regretter d'être venu à New York. Alerte, menace d'effondrement imminent. Je frappe dans le vide là. Ah oui, il est mort. Déjà mort lui. T'as entendu ça, Harry? Encore combien de temps? Je sais. Il me reste que deux étapes. Alerte. Intégrité du bâtiment compromis. Tout est en train d'être détruit. Harry, fais quelque chose. Harry, le bâtiment va s'écrouler. Il faut qu'on s'en aille. Non, ça va tenir. Ah. Ah! Mon voisin, il m'entend grogner comme as depuis tout à l'heure. Donne-moi une seconde.
Merde. Je peux pas le ramener vers moi. C'est bon. Putain, il est en train de jouer à Clash Royale, lui. Pose cet iPad, s'il te plaît. Bien, mais la ça m'est égal, c'est pas ça que je te demande. Tu es sûr que ça va? Ouais. Fouillez le bâtiment et voyez ce qui peut être sauvé. Je veux un rapport exhaustif des dégâts. Ton père a raison, Harry. La fondation, c'est pas le plus important. Quoi? C'était notre rêve. Mais ça l'est encore. Pour l'instant, ce qui compte, c'est retrouver le docteur Connors et te remettre sur pied. Laisse-moi faire. Qui peut m'associer son compte et qui a Spider-Man 2? Je vais me tailler les veines. Salut, vous êtes comme sur façon le... de dire que t'es broke, hein. Sur le répondeur de Pete. Ouais, bah ça fera l'affaire. Laissez un message. Bon sang, t'es où, Pete? Salut, Ganky. Hey, mec. Un des friends s'est pris les fils dans une vieille transmission des chasseurs. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Tu m'aideras peut-être. Bouge pas, je te rappelle. T'es obligé de le rappeler, là. J'ai juste pris une photo. Manifester n'est pas seulement un droit constitutionnel à New York. C'est un devoir civique. Surtout quand une multinationale est responsable de la propagation accidentelle d'une arme biologique dans la ville. Encore des nouvelles tenues. Celle de tout début là, mais elle est... Wesh. Celle du tout début, mais elle est un peu plus équipée, hein. Voilà les coups de poing que je dois mettre. Je vais rester en noir pour l'instant. J'ai un petit point de compétence. Vas-y, améliore-moi. Ça recharge mes, toutes mes capacités dès que je suis prêt à en découdre. Je suis de retour, Ganky. Je t'écoute. Hey, mec. Un des friends s'est pris les fils dans une vieille transmission des chasseurs. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Ça nous mènera peut-être à Lee. Je te transmets les coordonnées. Ça fait plaisir, mon pote. Là-bas. Il y a pas de quoi. Est-ce que tout va bien? On se fait un peu de soucis, Ellie et moi. Ouais, ça va. J'ai juste envie que tout revienne à la normale. I'll make it up to her, though. Before missing her at Zibby. Ça hein? Quoi, c'est repassé en anglais? Ouais, c'est pas ça en anglais. Père bleu. Mais qui va donc là? Eh ben. On dirait un des mystériums des Cantimbec. Je croyais qu'il prévoyait de le fermer. Mais c'est quoi ça? J'espère que ça dure pas longtemps. Besoin d'aide? Le Mysterium est infecté par un virus ou un truc dans le genre, et quelqu'un est coincé à l'intérieur. Essaie d'exécuter la condition du point de rupture. Ça devrait réinitialiser le système, mais fais bien attention à toi. Si c'est qu'une illusion, comment ça peut me blesser? Ça, mon ami, c'est justement ce que nous essayons de découvrir.
quand même. Neutraliser tous les ennemis. Let's go. Montrez-vous. Spider-Man, c'est vous ! Au secours ! Aidez-moi ! Vous en faites pas, je vous trouverai. Hein ? Détruisez les toutes. Hein ? Ouais, j'ai stylé pas. C'est ton Mysterio ! Prenez ça. Donc je dois débugger du code en combattant ces types d'air bizarres. Oh, ok. Hein? Attention. Ah ouais. Atroce. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Personne, si vous ne pouvez pas, vous sauvez vous-même. Prends ta batte. Où les autres? On manque deux. Jure, médaille d'or. Let's go. C'est un cauchemar. Cauchemar est terminé. Easy. Vous êtes en sécurité. Impressionnant. C'est donc pour ça que les gens vous adorent. Je suis le goat, ouais. J'aurais dû regarder où j'allais. Vous avez trouvé l'un de nos journaux de développement. Ce projet passionnait Betsy. Malheureusement, d'autres personnes sont piégées dans des mystériums à travers la ville. Il faut qu'on découvre qui est responsable et que justice soit faite. Cette histoire de mystérium est louche. Mm-hmm. Si des gens sont pris au piège, il faut que je les aide. Et que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Merde, je vais trop vite. On prend quoi en photo là? Prendre quoi en photo? J'ai trop loin. J'ai flou. Cool. Hein? Ok. New York City. Le temple du basket. Certes, on peut y jouer n'importe où pourvu qu'on ait un ballon. Le temple du basket, mais leur équipe, elle est pas censée être éteinte, genre. Les provocations des autres. Et le son du caoutchouc sur l'asphalte. Je vous assure que l'expérience est différente. Bienvenue. Une minute. Je sais pas où je suis. Au secours. Tenez bon. Je vais vous trouver. 20. Les illusions sont éternelles. Ok, Miles. Concentre-toi. C'est que des illusions. Même ce faux mystérieux. Hop. Voilà, là-bas. Merde. Ça, c'était clairement pas une illusion. Comment est-ce qu'ils font ça? Wesh, en moins d'une minute, je suis censé faire ça? Une minute, ma bite, je peux faire ça, moi.
Hein? Cette illusion est une illusion. Hein? C'est ces petits trucs mystérieux là. Promis, ce gaz toxique n'est pas une illusion. Tic-tac, mais ouais, j'arrête. En plus, je vais mourir. Wesh, le poison, je vais mourir. Je gagne quoi en fait? C'est quoi ces jetons rouges? C'est des jetons du héros, c'est ça? C'est ça, il me semble. Ça veut dire que je peux débloquer ça. Ouais, c'est des jetons du héros. Augmente la vitesse de votre balancement. Je prends. Augmente la hauteur du speeder saut et la vitesse du speeder sprint. Affiche toutes les caisses de high-tech sur la mini-carte. Mm-hmm. Alors, dégâts infligés aux ennemis en l'air accrus. Réussir une parade contre une attaque ennemie recharge partiellement vos capacités. Je vais augmenter les dégâts en l'air. Je mets que ça, les dégâts en l'air. La santé, c'est de... ça me sert à rien. Toile ricochet. Ça aussi, il faut que je le prenne. Oh, maman m'a laissé un message. Miles, à propos des pièces de musée volées, je suis allé à la fourrière et j'ai trouvé un vieux numéro de téléphone sur le camion que tu as poursuivi. Je tiens peut-être une piste. Ça te dit de déjeuner avec moi, dans le parc près de mon bureau? C'est moi qui régale. Tout indice est bon à prendre. Si on retrouve pas ce camion, le musée devra fermer. En plus, je dis jamais attends, non quoi à un sandwich. Ok. Pas ce que c'était, c'est... Donc, il y a du juste. L'ami a capté un signal de ce satellite. Voyons à quoi on a affaire. Je ne suis pas fier de cette chasse. Une tâche sans mon héritage. Un déshonneur. Néanmoins mortel. Trouvez-les. Tuez-les. Craven. Combien de cibles il y a encore sur sa liste? Il se sert de ce réseau satellite pour traquer ses cibles. Oh, tu t'en sortiras pas comme ça. Je reçois un pic de données venant du drone. Si je reste assez longtemps dans son sillage, ok, je dois rester. J'ai voulu l'esquiver carrément. Mais là, je vole. Ces trucs tirent des bombes. Je vole carrément là. Ils en ont plus rien à foutre. Charge bien. C'est bon, 100%. Pourquoi ça télécharge plus? Alors, Craven!
Partager au pire. Non, où est-ce que tu plus. Retiens, Lee? Analyse. Quoi? Entrée toutes multiple. Les cibles ont été compilées dans un seul fichier. Le drone n'avait pas d'infos sur Lee. Mais ces personnes ont besoin de moi. Sinon, leurs têtes finiront parmi les trophées de chasse de Kraven. Si je trouve d'autres oiseaux du genre, cible inconnue débloquée. Je pourrais décrypter leurs données et découvrir l'identité des cibles avant qu'il soit trop tard. Je devrais envoyer les données vers les speeder serveurs. Ça devrait intéresser Pete. Harry? Est-ce que Pete est avec vous? Salut. Non. Écoute, je vous ai vu poursuivre un de ces robots volants aux infos. Est-ce que vous auriez besoin d'une assistance technique? Genre, maintenance de l'appli, par exemple? En fait, j'ai déjà quelqu'un qui s'en charge. Ok. Désolé, c'est juste que je me sens inutile. Et ma mère m'aurait dit, si l'opportunité est imminente, fais le premier pas. Même si elle est plus là, j'écoute encore ses conseils. C'est peut-être bizarre. Non, je peux pas. Ça, c'est le truc que je viens de faire. Ça me console de pas être tout seul. Merci. Et bonne chance à toi. Ouais, vous aussi. Ouais. Peut-être que j'aurais besoin de quelques conseils. Donc tout là-bas. Rends visite à papa. Il est pas censé être mort, lui. Ah, j'ai oublié d'activer mes... Non, c'est pas grave. Pas très fluide là comment je me déplace. J'ai été meilleur. Ah. Salut papa. J'aurais besoin de ton aide là. Je fais tout ce que je peux pour retrouver Lee, mais je suis vraiment à court d'idées. Je sais ce que tu dirais. Un héros n'abandonne jamais. Et j'abandonne pas, mais c'est juste que je sais plus quoi faire. Peut-être que je devrais juste oublier tout le reste et passer tout mon temps à traquer Lee. Non. Si les gens ont besoin d'aide, je vais les aider. Et je vais trouver Lee. Si Pete est trop occupé... Non, après tout, je suis Spider-Man, moi aussi. Ouais. Je peux gérer la situation. Ouais. Commence à pousser des couilles, toi aussi. Mais... Tu peux me souhaiter bonne chance. Merci, papa. Je t'aime. Alors... Qui a besoin d'aide par ici? Tiens, on dirait bien qu'un graffeur en a fait un peu trop. Je ferais mieux d'aller voir. Des poids de nuages. Graffiti problématique. Non, je vais pas faire la mission secondaire. Non. Oui, jetons du héros. Les amis. Tout le monde sur les réseaux sociaux ne parle que de Jersey. Un feu dans l'ancien zoo. Une base secrète des chasseurs. Et Spider-Man qui essaie le costume noir de son pote. La vie est bien surprenante en ce moment. Je sais que les gens adorent ce nouveau look en mode Black is the New Black. Je le trouve carrément plus classe, mais... C'est pas un peu triste tout pour notre araignée sympa du quartier? Non? Quoi, je suis vraiment la seule à penser ça? Tu nous fais chier, toi. Moi, je dis ce que je pense. C'est ce que vous aimez chez moi, non? Eh ben, vous êtes servis. Quoi qu'il en soit, faites attention à vous. Bien. Le numéro de téléphone sur le camion en fourrière date d'avant les années 70, avec des lettres.
Harlem 7-4-3-2. Joueur The Witcher, ouais. Le camion qui a disparu avait le même numéro. J'ai joué pendant 2 heures et ouais. Après j'ai fermé le jeu. Mais je vois pas où j'avais la flemme. Avant les années 70, les camions polluaient énormément parce qu'ils n'avaient pas de pot catalytique. Mon bureau a fait une demande pour leur interdire de circuler. Et aujourd'hui, il y a très peu de vieux camions dans le quartier. Si seulement on avait un moyen de les localiser. J'ai peut-être une idée. Bien joué, moi. Les affaires reprennent. Simon a raison pour ces camions. Ils ont forcément dû laisser des résidus derrière eux. Hé, hey, Max. Pareil qu'il y a un gars là super chic au musée. Wesh. Wesh. Je trouve les pièces manquantes. Ouais. Moi, je suis jamais allé à un gala. Tu veux y aller, c'est ça? Bah enfin, comment je m'habille? Costard noir, un peu classe? Mec! Laisse-moi bosser! Ouais, alors, bonne chance. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse faire ça. J'étais si emballé par cette expo, par tout le musée d'ailleurs. Je me trouve vraiment dans une situation regrettable. Enfin, vous savez à quel point il m'importe de protéger l'histoire collective de cette communauté. Tout à fait, et j'espère évidemment que ça n'entravera pas votre soutien. Très bien. Voyons voir si ces camions ont laissé des traces. C'est stylé ces bails de communauté qu'il y a dans les grosses villes. Spider-Man est là. Chaque petit gars. Spider-Man, un peu tard. Je suis sur une nouvelle piste. Non mais je suis en bas, madame. Là, j'ai une affaire à régler. Mais vous connaissez ma position. Pour moi, dans les grosses villes, chaque quartier, sa petite commune, voire dans les rues carrément. Salut Spider-Man, on sait que vous nous filez un coup de main. Merci. Merci. Ça, c'est... J'ai l'impression que ça pourrait bien provenir. Savez quoi ? D'un vieux. J'aime pas cette cape. Cette cape, c'est pas Spider-Man. C'est pas Spider-Man. Spider-Man, il a pas de cape. Ouais, celle-là. Celle-là, comme ça, je l'aime beaucoup. Hein. Mais sa tenue du film. Mais vas-y, sans les, les Jordan avec les Adidas, il est moins... hein. Comme ça, il est stylé aussi, quand même. Camion de braqueur. Je me mets en Spider-Man. C'est quoi ça, menace violette? Il me faut des jetons du héros carrément pour la débloquer, elle. Eh ben. Celle-là, il y a peut-être des variantes stylées. Ouh, Miles 42! En blanc et bleu, elle est stylée aussi. Ça sent le soufre à plein nez. C'est un vieux moteur, y a pas de doute. Peut-être que je peux l'isoler davantage. Hein? Pour réussir à identifier la substance. Mais j'en je a des virus, hein. Des Je l'ai. Hydrocarbure aromatique. Ça serait jamais passé à travers un pot catalytique. Oh là là, j'imagine juste une tenue vraiment Miles 42 dans le film. Hey, man, tcha là 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 là. J'imagine le pas s'il la met. Le camion est si vieux qu'il a répandu un polluant bien spécifique. Je lâche plus. Fantastico.
Tu peux le retrouver ? Je suis en train de le chercher. Je commence vraiment à croire qu'on arrivera à tout retrouver. Qu'on réussira à faire ce gars-là. Et qu'on pourra sauver le musée. Wow. Chaque chose en son temps. Oui, je sais. Bon, sois prudent. Et surtout, tiens-moi au courant. Ouais, ça va loin, ça. Je vous entendais plus, désolé. Bref, on a livré tout ce qu'on a pu. Mm-hmm. Le reste est tombé du camion. Vous avez plutôt intérêt à le trouver. Ouais, je comprends très bien. On continuera de chercher le dernier objet. Mais en fait... Il nous l'a fait à l'envers. Je te l'avais dit, non ? Non. Hein ? Il nous paiera quand on lui aura livré. Même si il y a Miles et Peter, sur le jeu, c'est 15 fois plus intéressant de jouer Peter. Il n'a pas vraiment de lien dans l'histoire, Miles, en vrai. À part Peter, il joue sans moi maintenant, c'est plus mon gars. Craven, il chasse Peter. Harry, c'est le pote de Peter. Miles, il est là, quoi. La passe a vraiment sa propre trame particulière. Eh, je vais descendre, je vais tous les tuer, frère. Je suis en train de faire quoi, moi ? On arrive ! Vous pensiez vraiment être débarrassé de moi, c'est ça ? Encore ? Super ! Ouh. Allez, chopez cette saleté d'araignée ! Aïe ! Il est en jeu ! Arrête tes bêtises ! Venez là ! Non, pas contre le mur ! Bon, c'était le dernier. Plus qu'à ouvrir le camion et à... Ouais, il a son truc avec Martin Lee, ouais, mais vas-y, bon. Il est vide. Ils ont déjà dû donner ce qu'il contenait à leur chef. Décidément, toutes les routes semblent mener à ce type. Dire un téléphone. Hein ? Boss. Trouver le saxophone de Charlie Parker. D'accord. Donc il y aurait un truc qu'il recherche encore. Ah oui, j'ai pété le téléphone là, dans ma poche. J'ai trouvé le deuxième camion. Mais il était vide. Oh non. Mais ils ont réussi à perdre une des pièces. Le saxophone de Charlie Parker. Oh, Miles, va vite au CJ Walker Park. Ok, pourquoi ? L'une de nos stagiaires aurait entendu un gars décrire un saxo qu'il a trouvé. Au début, je ne la croyais pas. Botticella. Eh ben, si c'est celui qu'ils ont perdu, leur chef avait l'air d'avoir très envie de le retrouver. Ça ne m'étonne pas. Niveau 23. Charlie Parker est une légende. Ce saxophone est inestimable. Qui je dois chercher dans le parc ? Je sais pas comment elle s'appelle, mais elle a dit qu'un joueur de trompette en parlait. Mm-hmm. Nouvelle tenue. Oh ! Oh ! Le chat ! C'est ma tenue, c'est bon. Les petits chats. Mais non. Mais non. C'est bon, j'ai ma tenue. J'ai ma tenue. C'est quoi ça ? Augmente le nombre d'éclairs générés. Non. Mes ennemis paralysés par... Recharge vos capacités. Ok, la méga décharge. Il met un flash qui aveugle. Ah ouais. Je vais prendre ça. Ouh, non, en fait, je suis un ouf. J'ai des trucs ici, là.
ça là, prêt à en découdre. Encore plus de symbiotes. Je vais prendre tout ça là, tous les trucs de la surcharge là. Des trompettes, ça marche. Merci. Oh là là, le petit chat. Tiens-moi au courant. Te quiero. C'est la meilleure tenue du jeu. C'est la meilleure. Oh, il est. Mais il est où? Allô? Eh oh. Eh oh. Il est passé où? Eh. Ça me paraît compliqué de pas me. Ah! Il se monte de temps en temps. Il se monte de temps en temps, il est pas tout le temps là non plus. Là, il est là. Et sa toilette et tout! Aïe aïe aïe! C'est mon petit, je l'appelle comment? Nuage? Mais non, il y a déjà un nuage. Il y a déjà un nuage. Regardez comment il est mignon. On y va mon gars. C'est y part. Aïe. L'enlever, j'ai le seum, je vais devoir l'enlever. Bon, alors, où est ce trompettiste? Cet endroit est devenu bien plus sympa que quand Fisk et ses potes le contrôlaient. Salut Miles. Ne parle pas, Steph, frère. Ça va? Vous êtes avec Gloria? Non, elle travaille. Je viens d'arriver. Et je cherche un joueur de trompette. Ça vous dit quelque chose? Ouais, Théo est ici avec sa trompette. Théo joue de la trompette? Mm-hmm. Je crois qu'il était pas loin de cette arche, là-bas. Merci, Steph. Et dites bonjour à Gloria de ma part. Salut, Camilla. Miles, est-ce que je peux t'offrir quelque chose? Ah, non merci. Je suis à la recherche de Théo. Tu l'as croisé? J'ai du boulot dans le camion, mais je crois que je l'entends jouer. T'as qu'à suivre le son de sa trompette. Ça marche. À plus tard. Chii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 i
Je vais le récupérer. Un afro, après, tu fais la coupe que tu veux. Angela sera tellement soulagée. Les locks, ça prend vraiment trop de temps. Tu savais que Théo jouait de la. Où tu fais un afro, tu fais des braids de temps en temps, des vanilles, des tresses. Tu vas jamais avoir de locks, mais tu peux faire les coupes alternatives, quoi. La musique enrichit notre communauté. Moi, ce que j'ai, je pourrais pas avoir. Mais bon, est-ce que je parle à ma mère ou à la conseillère Morales là? Oh oh. Oh, j'aime pas ça. Ah. Hey, Spider-Man. C'est moi. J'allais mettre une alerte sur votre appli. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des mecs chelous qui viennent de partir avec Eugène. Ils avaient l'air de le forcer. Ils sont partis par là. Merci, je vais voir ça. Il y a un ennemi derrière là. Scanne des indices. Une masse? Il y a quelqu'un qui se tape derrière là. Ces types plaisantent pas. Je ferais mieux de retrouver Eugène. On sait que t'as planqué le saxophone quelque part. Ah. Eh hey, les gars, si vous voulez jouer de la. Mais ils pensaient que j'allais pas regarder la carte. Voilà le reste de l'orchestre. Oh là là les gars, juste venez ici. Arrête. C'est bon. Je crois que je devais pas y aller maintenant. Ah si, c'est bon. Ok. Merci Spider-Man. Tout va bien? Quelques bleus, mais je peux faire avec. Le plus important, c'est qu'ils m'ont laissé mes clés. Prenez-les et ouvrez mon coffre. Projet Velon, bah ça rajoute beaucoup de flow en vrai. Hein. Moi si j'étais blanc, personnellement, c'était soit cheveux longs, soit buzz cut. Voilà, j'aurais fait un des deux. Saxophone de Charlie Parker, le vrai, l'authentique. Je m'apprêtais à le rapporter au musée quand ces types ont débarqué. Il s'en est servi pour enregistrer son chef-d'œuvre, Ornithologie, en 1946. T'es un fan de Bird? J'en ai rien à foutre, je sais même pas qui c'est. Mon père l'était. Je m'y connais pas trop en vieille musique. Vieille. Quand les rappeurs d'aujourd'hui font des accents syncopés, appuient sur les temps faibles et slaloment autour du rythme. Le char. Ça vient du bebop. Bebop. Je tâcherai d'écouter plus attentivement. Bon, je le rapporte tout de suite au musée. Et j'appellerai mon assurance. Ok, merci. Et si je pouvais me connecter au téléphone qu'ils utilisaient pour communiquer avec leur chef. Non, ça me rend trop heureux les chats. Que des zéros, c'est l'équivalent en chiffre de mot de passe pour un mot de passe. Un petit rendez-vous à minuit avec un baron du crime. Tout va bien. Oh là là, on va leur péter la gueule. Je peux améliorer mes gadgets. Je peux débloquer le nouveau truc ou pas? Toi, le ricochet. Vas-y. Et impact assommant. Mais je sais même pas si j'ai envie de le faire, lui. 10 pièces high-tech rares. Merde. Je sais pas si j'ai envie de le faire. Déplacement, il me faut quoi? 6 jetons du héros. Augmente la hauteur du speeder saut et la distance du speeder sprint. C'est vrai que je peux améliorer les autres trucs, mais j'ai pas envie de les améliorer. Il faut encore des jetons du héros pour améliorer ça, par exemple. Je peux tirer les brutes. Je peux attraper 6 ennemis. Les projectiles de l'attrape-toile électrifient. Électrocutez vos ennemis en effectuant un lancer avec L1R1. Des gommeurs, ça, j'utilise jamais ça.
Ça, je suis jamais. Lance-toi, je devrais l'améliorer. Lance-toi, se remplisse plus rapidement. Vas-y, je devrais le faire. Ajoute 4 tirs. Tuer des ennemis, rapporte plus de concentration. Ouais, je devrais l'augmenter ça quand même. Un courant d'air là. Chers auditeurs du dernier cast, une question me taraude depuis mon réveil. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à la fondation Emily May l'année dernière? Hier, on parlait encore de philanthropie et de combat. Mais du coup, je peux me déplacer instantanément, pardon. Mais je l'ai jamais utilisé en fait. Genre là, Crary, ici là. Si je veux faire voyage rapide ici. Je sais, ces chasseurs, ils sont clairement pour quelque chose. C'est bien eux, les méchants. Ouais, mais non. Mais vous avez tous vu ces images de Spider-Man, pas vrai? Il a l'air bien plus féroce, violent, vicieux avec ce costume noir. Vous allez dire que j'en fais des caisses, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc... Je vais plus jamais le refaire. C'est la première, la dernière fois. Eh, il a fait le saut de Miles! N'oubliez pas de boire. On aime dire tous les Spider-Man, ils le font, mais t'as capté, c'est ce qu'il fait dans le film. À la toute fin. Tous morts. Là, c'est Spider-Man. Réglez-lui son con. Toi aussi. Appelez vos potes, je suis au taquet. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Je me demande si Pete a déjà fait autant de chaos d'acné. Non, il l'a pas fait. Il a pas un tiers de ton niveau, Miles. Je le dis. Petit matériel de chasseur. Je pense que j'en ferai un meilleur usage que. Bon. Y a des trucs à faire là ? Y a une base là-haut ? Salut MJ. Hey Miles, je viens de parler à Pete. Il va chez le Dr Connors dans le Queens. Tiens-toi prêt au cas où il aurait besoin d'aide. Ah ouais, pour de vrai? C'est Pete qui t'a demandé de m'appeler? Non. Non, mais deux Spider-Man valent mieux qu'un, tu crois pas? Ouais. Ok, merci MJ. On dirait qu'il a pas besoin de moi. Je pourrais rendre visite à Ellie en attendant. C'est parfait pour Robbie. Attends, il est où le truc? Je le vois plus. Franchement, si j'étais riche, moi aussi je profiterais de ce décor. J'aurais aussi peur d'envoyer mes balles hors du toit, mais... Ah, c'est là-haut. J'imagine qu'ils peuvent se le permettre. Ah, c'est haut. Qui c'est? Il est temps de s'occuper du chef de cette opération et de trouver les dernières pièces du musée. Comment c'est fluide, comment je suis monté. Pas là 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 là. C'est parti. Merci non pour le sub, merci pour le chat. Hein. Il faut assez de données pour savoir qui cette chose espionne. Quand même que je touche le 70-30 avant mon départ en Corée, ce serait con quand même de pas le réussir parce que je fais un voyage. Wesh, wesh! Mon costume va cramer à ce rythme-là! Désolé les gars, mais c'est fini pour vous! Je
ça m'a fait des dégâts ça. J'ai téléchargé la moitié. Aïe. J'en ai marre des brûlures. En vrai, les... comment tu planes là, c'est manipulable et aussi dur à contrôler. Du coup, c'est satisfaisant. Ils ont bien trouvé ça. J'aurais bientôt tout téléchargé. Ah, le téléchargement, il est long, ouais. Je veux pas la fibre. C'est fait. Ok. Voyons après qui il en avait, cet enragé de pigeon. Analyse. C'est qui cette meuf? Matoun Jordan, ingénieur. Vous voyez pas, c'est derrière ma cam. Il une ingénieure. Ce drone ne lui causera plus de problème. Je dois m'occuper des autres. C'est bon? Là-bas, il y a un cache. Là, il y a une photo. Je vais prendre la photo et je vais faire le cache là-bas. Là. Bon. Et Spider-Bot l'envoie dans les cordes. Mais que fait-il avec cette chaise? Hey, bon, la photo, elle était où? Sur nos mystérieux bots. Le signal tiers vient de super loin, en fait. Genre, carrément plusieurs millions de kilomètres, quoi. Quoi? T'as une l'espace? Genre, il vient de l'espace. Non. Oh my god. Je pense plutôt à un brouillage de position, du genre. Ouais. Je devrais pouvoir remonter à la source avec quelques boîtes de plus. Ouais, c'est quoi tous ces trucs là, tous ces épées, c'est quoi? J'aimerais bien le rencontrer. Il y a des gens en haut. Nickel. Non ça. Parfois, j'ai peur que toutes les catastrophes qui arrivent dans notre île dissuadent les gens de sortir de chez eux et de vivre leur vie. Mais pas où. Ah, c'est des trucs du chasseur. Essayer de trouver des infos. Alors dis-moi, comment Kraven s'appelle? C'est pas lui. Vous les faites pas. Danger? Et qui le voit là, lui? Il va pas l'enfer ici. Il essaie de nous faire peur. Il est à moi. Qui est à toi? Désolé pour toi. Eux, ils sont chauds à faire. J'ai quand même en tué quelques-uns avant de... Hein. Je dois plus être loin. Vous voulez une sieste? La voilà. Là, regardez! Non! C'est le gamin! C'est fini pour vous! Le gamin! Eh, je suis Spider-Man, moi aussi! Non, il me voit pas, là, on est d'accord. J'aurais peut-être pu jouer avec cette invisibilité, hein.
Wesh, il est vénère lui. Bon, j'ai la flemme. Juste les étendre. Bon, d'abord, je vais tuer lui. Ah, tu vas regretter tes petits jeux. Est-ce que c'était le nouveau Spider-Man? Dis-moi. Descends par ici, Spider-Man. Bougez pas, hein, s'il vous plaît. Bougez pas. Voilà. Attends, déjà, c'est lequel le truc qui me fait décoller? Je crois que c'est lui. C'est qui me fait atterrir, c'est lui. Ok. Facile. Cool. Voyons ce qu'il y a d'autre ici. T'as sûrement pas mal de choses à me dire. Putain, le petit chat, il me rend trop heureux. Une carte de leur base. Qu'est-ce qu'ils trafiquent? Y'a rien au rez-de-chaussée là? Oh non. Je ferais mieux de neutraliser ce relais si je veux pas que les renforts débarquent. Il y a aussi deux autres signaux d'affût par ici. Ah, mais dans chaque quartier, du coup, il y a trois trucs. Je continue à détruire les affûts jusqu'à ce que je découvre où est la base. Du coup, là, je fais lui. Où est-ce qu'un Spider-Mec comme moi pourrait trouver des infos utiles par ici? Si tu devais choisir, tu préférerais chasser les animaux ou les humains? Pour moi, c'est la même chose. Au moins, les animaux sont plus fiables. Les humains sont souvent décevants. Ça se défend. Mais les humains ont plus de potentiel. J'adore chasser quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui sait se défendre. En fait, tu fais trop de bruit, Spider-Man. Ah ouais, ils savent. Y'a quelqu'un à terre, l'étoile. Sors de là, Spider-Man. Suivez les sons pour trouver l'araignée. Il va apprendre à nous craindre. Relève-toi. Comme t'as vu, toi. Spider-Man est toujours là. Lui, je sais pas comment il me voit pas. Hein. Mais lui, y'a qui le voit là? Pourquoi je peux pas l'assassiner? J'éteins la lumière. Hop. Toi, viens par là. Toi aussi. Ça venait d'en haut. En hauteur. Spider-Man nous envoie. Allez. Vous pouvez pas mettre votre cachette partout dans la ville. Toi, va. C'est vous qui avez appelé des renforts. C'est vraiment pas cool. Eh hey. Il est dans les hey. Ah. Merde, merde. Arrêtez. Descends par ici. Tu es là. Maintenant, ça devrait rouler. Je suis sûr ça que vite, tu vas trouver ce que je cherche. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette base?
truc. Une salle remplie de lance-roquettes. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais les enfermer. Vous passez une PS5 pour ce jeu, si t'es riche. Deux affûts de moins. J'espère que le dernier m'indiquera où est la base. T'es très riche. Hop, comme ça. Les problèmes s'accumulent et ne semblent pas vouloir disparaître. Une inflation qui explose, des élus en carton et un pays tout entier au bord d'un effondrement digne de la chute de l'Empire romain. Mais nous... L'araignée est dans les parages. Oh là là, ces gars sont super tendus. Ils doivent être au courant pour les autres affaires. Je pense que je vais juste aller au milieu et tous les tuer, hein. Je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Comme ça. Oh, toi t'es mort. Toi t'es mort aussi. Des renforts ? Sérieux ? Vous étiez pas assez fort ? Toi t'es mort aussi. Amenez-le à tout. Toi t'es mort. Toi t'es mort aussi. Toi t'es mort aussi. Toi t'es mort aussi. Carré. Bon, c'était le dernier des affûts. Je vais voir ce qu'il a dans le ventre. Mon Harlem. Les chasseurs vont découvrir qu'il y a un nouveau shogun en ville. Oh. Parc mobile de Harlem découvert. C'est ça leur base. Vas-y, hein. Quelqu'un doit leur montrer que l'école est finie. Et pour non, mais du coup, c'est où? C'est ça, là? Prêt pour la rentrée à l'école des chasseurs? Je vais leur apprendre la vie, moi, à cette bande de cancres. Ouah, c'était naze, Miles. Désolé. Il y en a tellement. Au moins, les données des affûts ne nous déçoivent pas. C'est là qu'ils améliorent les armes de leurs véhicules. Je les laisserai pas faire ça. Il y en a tellement des ennemis là. Mais ouais. C'est ta coopération. Il y a plus rien au-dessus. Je crois qu'ils sont tous en dessous là. Dépêchez-vous. Éliminez tous les chasseurs. Neutraliser les communications. Saboter les objectifs. Mais je les vois pas les ennemis, c'est normal. Le marchand de sable est passé.
des ennemis là-haut. Je vais finir ici d'abord. Et là, il y a quelqu'un, non? Cette salle est vide. Passons à la suite. Arrête, arrête le chien, arrête le chien. Arrête, couchez. Couchez! Lui, je peux pas la... Si, je peux! Ah ouais! C'était discret, pas vrai? Lui, je peux pas le... C'est un nuage. Oh, je t'ai eu. Qui le surveille, lui? Personne. Allez, ce secteur dormir. Est dégagé. On passe au suivant. Mais c'était quoi ça du coup? C'est quoi ce bruit en fond? Il commence à m'énerver. Adieu les renforts. C'est bon? Ces chasseurs vont se demander s'ils se font ghoster par leurs amis. Merci. Descends. Regardez bien dans l'ombre. Regardez bien dans l'ombre, hein. Je suis sûr de ce que j'ai vu. Non, t'as rien vu, t'as rien vu. T'as rien vu, t'as rien vu. T'as rien vu, je t'ai dit, t'as rien vu. Adèle, merci pour le sub. Merci beaucoup. C'est calme à l'extérieur. Quelle est la situation? Chasseur, allez voir. Je me rends sur la position. Faut griller les tourelles via le panneau du serveur. Le panneau du serveur. Gros dodo. Soldat au rapport. Rien à signaler? Saboter les tourelles de véhicules. Okay, je vais sur place. Ils viennent tous un par un pour que je les tue. Bien vu. Vas-y, le dernier, viens. C'est bon, ils sont tous morts. On progresse. Les données que t'as récupérées aux affûts indiquent une autre salle ici. On pourrait peut-être y trouver des infos utiles sur les chasseurs. Ouais, ça pourrait me... Alors, voyons voir ça. Oh, il y a un fichier codé. Sacha, s'il te plaît, oublie cette obsession. Rentre auprès de moi tant qu'il nous reste encore du temps. Notre temps est révolu, mon amour. Et que fais-tu de nos enfants? Ils vont s'entre-déchirer pour le contrôle de notre empire. Les lionceaux doivent gagner leur place, comme n'importe qui. Ils me considéreront comme un obstacle. Alors frappe la première. Ah ouais. La famille de Kraven, elle a l'air vraiment sympa. Ça pourrait devenir un problème. On devrait continuer à nettoyer les bases. Faut se tenir prêt. On
je vais aller stopper ce scream là, après je pense que j'arrête. Des chiens de chasseurs. Je ferais mieux d'aller voir. Ouais, vas-y, venez là. Ouais, vas-y, venez là. C'est bon? Détendre. Je peux te détendre ma gueule. Niveau supérieur en plus. Ouais, ça fera clairement l'affaire. Nouvelle tenue. Tenue pour toujours. Tenue en mode chat. Tenue Kuzuma, jure! Elle est stylée la sienne, il a des Timberland et tout! Elle est v'là stylée! Je vais faire le chat. Spider-Punk! Stylée aussi. Débloquer le nouveau truc ou pas? Toile ricochet. Impact assommant. 3 points de compétence aussi. Allez, j'augmente au niveau max. Ah bah ok, je peux pas. Ça j'utilise jamais, c'est rien. Comme on a tenu, je peux augmenter mes HP, je vais pas le faire. Bon. Ça me rappelle les gens qui écrivaient au Bugle et certaines personnes qui y travaillaient. La liberté d'expression, c'est magnifique. Mais entre ce qu'on dit et ce qui est vrai, il y a parfois une différence. Je vais m'arrêter là.